Petit update sur le PC de serveur de Zalman. Donc là, j'ai fini de travailler avec les ventilos et avec les branchements du contrôleur. Donc tout marche, j'ai juste dû faire un petit peu de bricolage sur celui-là. Parce qu'en fait, j'ai acheté un hub, je savais que j'allais pas avoir assez de câbles. Et du coup, le hub est alimenté par une des prises, donc celle-là, la deuxième. Une des prises que j'ai dû couper un peu pour que ça rentre. Et du coup, les ventilateurs sont branchés au hub au lieu d'être branchés à la carte mère. Et du coup, bah, c'est ça, c'est un peu la carte mère du contrôleur maintenant. Et tout marche, la ligne marche, celui-là marche. Je peux vous montrer. Pourquoi il a perdu ses LED par contre? Ah voilà, je peux diminuer. Pareil pour celui-là au fond, pareil pour celui-là. On verra pas parce qu'il y a les LED. Et j'ai encore deux switches qui alimentent du plus 12 et du plus 5. Mais ils ont un branchement un peu spécial, il y a une borne, j'ai pas trop compris. J'ai pas encore compris comment les brancher ceux-là. La LED est grillée, mais il marche. Et sinon, ouais, tout marche, la carte marche, le CPU marche, par contre les câbles de merde là l'embêtent un peu. Et sinon, bah il y a juste à tout brancher. Enfin à tout. Celui du haut marche aussi. Il y a juste à brancher. Tout mettre ensemble et à rendre ça un peu plus praticable et ce sera bon. La lime. Et ouais, c'est l'avancement du serveur pour le moment. Bah, c'est le disque installé. Remettre ça. Il me manquera deux ventilateurs. Un ventilateur. Désolé, je ne sais pas. Et j'ai utilisé ces trucs à la place des vis parce que j'avais pas de vis et je dois avouer que c'est plutôt solide. À la prochaine.